Au fil tenir pour être présent ici, parmi eux, parce qu'ils ont connu comment Fabien dire mon l'attachement pour le sport et l'activité physique en général. Mais ici, dans le contexte venant ce qu'on appelle un high level athlete, donc pour une premièrement apporte au support moral et bien sûr pour une souhaite zone bonne chance à nous l'équipe. Déjà, tout ben, ce qui font partie de la délégation, c'est un très grand honneur qu'ils ont fait à nous. Parce qu'ils ont pas défendre le couleur. Et vous êtes content pour une petite rectification à ce qui va bien dire. Parce que ce n'est pas une délégation qui peut représenter l'île Maurice, c'est une délégation qui peut représenter la République de Maurice. Donc, je veux dire bon courage aussi à mon entraîneur, mon dirigeant, qui certainement pour encadrer pour l'équipe au mieux de notre capacité. Vous pensez, moral de nous adapter, vous êtes bien, bien haut en ce moment. Parce que, pas seulement, c'est tout un travail de préparation, de sacrifice, qui est dans mes zones là. Mais quand nous gagnons nos camarades, nos amis, qui là récemment, il participe à une compétition de 200 mètres, championnat de France Espoir, et il réalise 19 secondes 89. Pour apprendre que c'est pour la première fois qu'il y a un Mauricien faire ça les courses là en moins de 20 secondes. Donc, on félicite lui, bravo pour sa performance. Et c'est pourquoi qu'il me dit à mon moment, mon copain, qui est moral de nous à la fin, là, bien, 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 bien haut. Pourquoi elle n'est pas capable de haut tout ça. Ben, jeune qui me fait partie de l'équipe de nos républiques, mais dans le doute qu'ils sont bien ambitieux, bien déterminés, pour capable de relever ce défi-là, pour essayer de faire tout pour monter au podium, pour capable de mettre tant de médailles pour nos républiques. Donc, on félicite tous vous, premièrement, pour cette conviction, cette énergie, ces efforts, cette effort, cette sacrifice, cette détermination, de nous consacrer beaucoup de temps. Parfois, nous passer dire, nous guettons, que ce soit la télévision ou bien. Pour nous qui bien sûr, comme spectateurs, nous avons différentes disciplines sportives, nous avons participation de mon athlète. Déjà, nous savons ce qui nous gagne une médaille aussi. Nous sommes bien contents, nous applaudissons, nous sommes fiers. Mais nous passons à cause de la préparation qui nous est là pour arriver jusqu'à là. Qui quantité de zéros, qui quantité de sacrifices qu'il nous a fait. Bien sûr, après, l'athlète lui-même, il a une volonté, il a envie, il est content. Mais, il est capable d'imaginer qu'en termes de sacrifice qu'il est capable de faire, on utilise ce moment-là pour faire autre chose. Nous sommes concentrés dans l'entraînement, dans l'exercice. Et ça, il mérite d'être souligné. Et il mérite d'être aussi un exemple pour beaucoup les autres. À deux semaines de coup d'envoi des Jeux de Birmingham, on vient donc apporter mon soutien et on connaît, comme toujours, on peut trouver dans tout le
événement sportif, la nation mauricienne avec ça. Et vous derrière. Bon, vous êtes content d'ajouter que la performance de l'événement sportif, pour moi, est bien importante. Et quand vous dites performance de l'événement sportif, vous ne pouvez pas être 6 pour un jeu que vous êtes arrivé à ce niveau-là. Bien sûr, vous êtes bien content, bravo, vous avez tout l'encouragement. Mais vous voulez construire et vous voulez faire du dans notre culture et nous capables pratiquer une discipline sportive ou bien nous faire une activité physique. Bon, pas mal, surtout pas les autres qui vont vous dire que c'est beaucoup d'eau là, mais vous demandez aux autres, être vous ambassadeur pour capable convaincre la population mauricienne dans ce sens. Qui manière est important pour pratiquer un sport, pas nécessairement pour vous faire une compétition. Bien sûr, si vous arrivez à développer un talent, vous ne pas connaître, évidemment, vous n'avez pas de plus haut, vous plus haut, mais seulement ne serait-ce que pour la santé de chaque individu, ne serait-ce que pour le bien-être de nous-mêmes et de la famille. Et ne serait-ce que pour nos contributions au niveau familial, au niveau de l'endroit, au niveau de l'économie du pays, est extrêmement important. Quant à eux, ce qu'on appelle l'élite, je trouve qu'ils n'ont pas ça pour tel support moral. Ils passent à l'action. Pour faire bonnes affaires arriver, pour traduire ce qu'ils vont dire dans le concret, pour capable de faire une bonne infrastructure de haut niveau, vous êtes capable de faire de l'entraînement, vous êtes capable de faire une compétition. Le gouvernement met à disposition de la fédération une infrastructure pour qu'il soit capable de promouvoir chacune de ses disciplines et offrir le meilleur encadrement possible pour nous battre la tête. Je suis capable de comprendre, de continuer, moi, mes collègues, ministre Toussaint, le gouvernement, de continuer à poursuivre nos efforts dans cette direction-là. Le complexe sportif national de Côte d'Or, tout le monde réalisé qu'il y a une véritable bijou au niveau, pas seulement de l'Afrique, mais au niveau mondial. Et nous sommes capables de dire aussi que cette infrastructure moderne-là est classée parmi 5 meilleurs hubs sportifs en Afrique. Moi, je connais, c'est un des meilleurs centres sportifs en Afrique qui est dans l'installation de ce niveau-là. Il est doté d'une piscine de compétition au nom olympique, un bassin d'échauffement, une piste d'athlétisme certifié World Athletics Class 1, 2 terrains de football certifiés par FIFA et un centre national de haute performance pour les athlètes d'élite. Et ce centre de haute performance-là est non seulement une nouvelle installation sportive de classe mondiale, mais il est aussi doté de services de soutien qui inclut un laboratoire des sciences, du sport, un centre d'entraînement, un centre de soins médicaux entièrement équipé, un centre de haute performance et pour se voir, pour capable de donner l'occasion à votre athlète, vous êtes capable de faire plus progrès et atteindre votre plus grand sommet. Donc, moi, j'ai confiance dans une telle approche scientifique, dans la préparation à la compétition, pour une encore plus athlète qui peut briller à l'avenir. Je finis par plaisir les autres initiatives pour encourager sport et activité physique dans Maurice et dans Rodrigue. Le gouvernement finit de lancer ici même en 2019 l'Académie internationale de football de Liverpool.
ou Maurice Côté. Pour apprendre, nous avons 275 garçons et 40 filles de 12 à 18 ans qui sont aussi depuis plusieurs régions de Maurice qui viennent apprendre le football ici. Donc, il y a un cours qui est dispensé par l'Académie de Liverpool. Là, comment le haut commissaire a fait mentionner, il y a 16 joueurs de Liverpool Football Club International Academy Mauritius qui vont faire une visite au Liverpool Football Club Presidential Soccer Camp du 21 au 31 juillet. Ils ont participé à un camp d'entraînement avec les joueurs, les autres académies des Reds. Et ils ont aussi, bien sûr, il y a plusieurs matchs amicaux qui se poursuivent. Toujours avec l'intention pour améliorer l'infrastructure, nous faisons des sites pour nous upgrade 8 centres de jeunesse à Bois-Chérie, Béditongo, Rochebois, Osbel, Tamarin, Trèfle, Résidence Kennedy et Résidence Malherbe. Et mon père doute, le ministre peut dire moi, dans ce moment là, nous pouvons faire une manière qui nous capable d'offrir un plus grand éventail d'activités. Le gouvernement peut aussi allouer une somme de 50 millions d'euros pour financer la préparation de nouveaux athlètes et pour organiser les prochains Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien qui pourrait avoir lieu en décembre de cette année-ci. Le FIN aussi a alloué un budget de 20 millions d'euros pour préparation de nouveaux athlètes pour les Jeux des îles qui sont prévus en 2023 à Madagascar. Donc, vous êtes bien sûr motivés au maximum. Nous avons athlètes de haut niveau. Nous voulons donner autant d'incentives possibles. Et là, le gouvernement vient prévoir une allocation spéciale de 15 000 roupies pour achat d'un équipement sportif pour un athlète de haut niveau. Et moi, Brad, qui design, il y a à peu près une centaine de bénéficiaires de sa mesure budgétaire. Nous finons aussi, à la disposition de plusieurs fédérations d'entraîneurs étrangers. Et parmi les disciplines qui concernées, et dans la boxe, basketball, volleyball, rugby, badminton et tennis de table. Et bientôt, nous allons accueillir un entraîneur français pour le wrestling. Et nous actuellement allons parler avec l'AIN pour nous avoir gagné l'assistance technique dans l'haltérophilie. Donc pour remercier toute une fédération, toute une entité qui est concernée par le sport, qui peut faire un travail dans l'intérêt de nos sportifs. Nous pouvons gagner de bons résultats. Nous, bien sûr, pour faire des sauts. Et ça, il va dépendre, bien sûr. Donc nous seulement, il dépend beaucoup plus de nos autres en termes de détermination pour pouvoir faire des choses qui nous participent dans autant de compétitions internationales possibles. Puis les normes, on va dire, une performance exceptionnelle dans les autres compétitions et moi la confiance dans nos athlètes pour faire nos caricolos bien sûr, flotter au plus haut.